Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment ça s'est passé la course? OK, alhamdulillah. L'activité vraiment ça s'est bien passé. Alhamdulillah. Durant le parcours, allez, bon, on n'a pas de un cas majeur comme ça. Inch'Allah. Qui était souffrant. J'ai demandé à la commission de transport de venir la chercher. Inch'Allah. On n'a pas un cas majeur comme ça. Écoutez les militants. Barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Comment ça s'est passé la course? Alhamdulillah, jusqu'à présent, je vous remercie à Allah pour ce succès que nous avons accordé jusqu'à présent. Et même si on avait fait des projections pas tellement favorables actuellement, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de grand cas à signaler. Et vraiment, nous sommes tellement fiers d'exorciser une autre fois, car notre prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de mûrir notre foi à l'intérieur et de présenter cette foi-là à travers nos membres. Et présenter clairement notre foi à l'opinion nationale et internationale. Et vous savez actuellement que notre pays et l'ensemble du monde entier reconnaissent des attaques terroristes qui mettent un peu en image, qui mettent un peu en cause la crédibilité de notre belle religion qui est l'islam. Donc à travers ces activités, nous allons montrer à l'opinion nationale et internationale que notre belle religion n'est pas la différence, n'est pas la religion qui sème la discorde, qui sème le désordre dans le monde. Mais la religion islamique est la religion de la paix, la religion de la cohésion, la religion de l'amour, la religion d'une religion qui appelle l'ensemble des individus, musulmans ou non musulmans, à la cohésion, à un bon fonctionnement, à une bonne cohabitation pour que notre vie d'ici-bas soit vraiment profitable pour nous, pour que nous puissions être parmi les bienheureux le jour où il y aura de travail que celui-là. À travailler pour Allah, Dieu l'a fait à travailler pour satisfaire son Seigneur, tabarak wa ta'ala.